coucou à tous et re-bienvenue dans cette série de Let's Play consacrée à The Escapists. Alors, il s'est passé pas mal de choses par rapport à la dernière série d'enregistrements que j'ai fait. Notamment, on s'est fait envoyer plusieurs fois, je crois, en isolation. On a essayé de creuser un trou, mais ça, du coup, j'ai un peu passé hors enregistrement, mais ça a l'air compliqué de... Ça a l'air compliqué de faire un trou et en fait sans pouvoir le recouvrir en fait par derrière. Donc je pense que je vais essayer. Ça va être bon, du coup le plan c'est ça. Ça va être d'essayer de choper un poster parce que j'avais je crois une recette pour un poster pour essayer de creuser au mur dans un mur. Voilà avec je sais pas avec une cuillère en plastique ou un truc comme ça. Ce que j'ai lu fait que c'est comme ça qu'on pouvait creuser dans les murs, chose qui est pas forcément intuitive. Allez, du coup on est parti, on va essayer de pas essayer donc de stash ça dans le bureau. Voilà, est-ce que le couteau du coup est-ce que non ça marche pas le couteau. Ok. Ça, de l'encre et des rouleaux de papier. Allez, c'est parti! Toujours une arme. Well. Il fallait que donc j'ai une diversion au moment du petit déjeuner à faire pour Carl. J'ai une diversion un peu n'importe quand. Donc, ça, c'est tout à fait jouable. J'essaie d'attaquer quelqu'un d'autre que Carl. Il faudrait que je trouve un magazine. Mais aussi parce que... parce que je veux faire une affiche, voilà. Magazine et ruban adhésif. Donc il me faudrait du ruban adhésif. Eh bien... Toi t'as du ruban adhésif? Non, t'as du bois. Il y a une espèce de... de contrebande de bois dans cette prison, c'est assez marrant. Ok. Greg et Samuel ils vont se faire fouiller la cellule. Nickel. Bon. Ben, du coup. Qui est-ce qui m'aime bien? Personne m'aime bien, hein. À force de m'expliquer et de leur piquer leur place au petit déj. Au final, personne m'aime bien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais. Tabasser Alexander. Par principe. Comment est-ce qu'on faisait une armure déjà? Tenue détenue, oreiller et ruban adhésif. Mais j'ai pas de ruban adhésif, y'a personne qui a du ruban adhésif. Ils sont déconnés. Alexander. T'es où? Tu es là. Alors j'avais vu aussi que j'étais pas obligé non plus de me... Alexander, il se fait tabasser. Allez, voir. Alors... Donc là j'ai eu quand même des sous. C'est la période libre. Du coup je vais essayer. Clark, t'as des trucs à vendre? Non, toujours pas. Oh, t'as des recettes, mais je peux pas résister à une recette. Hein. Je suis désolé, mais... Pelle solide, pioche solide, ruban adhésif. 90 intelligence et B. J'avais postulé, hein, c'est ça, ouais, je suis à l'abri. Bon, bah, en attendant, du coup, je vais fouiller les bureaux des gens pour essayer de trouver du ruban adhésif. Parce que je vois pas trop où je peux en choper. D'autres. Trombone, ventouse. DVD, éponge, du coup un peigne.
Ah, yes, un magazine. Cool. Du coup, il me manque plus que. Il ne me manque plus que du ruban adhésif à prendre. Ils ont des cages de prisonniers dans leurs espèces de faux murs là. C'est pas mal, hein. Moi j'aimerais bien avoir pareil. Papier d'alu, ça peut servir ça. Bon, je sais pas si ça peut servir. Ça peut pas servir, mais bon. Oh, peine tranchant. C'est tellement plus stylé qu'un. C'est la même chose, mais du coup, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Pas de ruban adhésif. Tout va bien, officier? Tout va bien. J'ai le droit. Oui, non, pardon. C'est l'heure du déjeuner. Eh ben oui, c'est l'heure du déjeuner, je vais pouvoir continuer à fouiller. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé, j'ai l'impression. Ah, une spatule là. J'en ai pas de spatule, du coup je vais la prendre. Personne qui a du ruban adhésif, sérieusement? Cette quantité de papier toilette qu'il a, lui? Sérieux? Il y a quoi ici? C'est l'isolement. Ici, c'est l'isolement. Ouais, j'arrive. Allez, je vais venir vous manger avec vous, histoire de. Histoire de vous bénir de ma présence. Allez, c'est l'heure de la laverie. Alors, je me rappelle bien, on prend les trucs. 5. Tenue de garde gratuitement en fait, c'est pas mal ça. Ok, j'ai fait mon quota. Voilà, j'ai fait mon quota, j'ai gardé une tenue de garde. Oh non! Ah non. Non. Ah non, mais je pourrais pas sortir sans. Chier! Non! Hé! Ça va pas, non? Agressif d'un coup les gardes quoi. Ils te tirent dessus à vue, tu sais. Ils savaient même pas de venir, hein. Juste ils te tirent dessus. Sans problème quoi. Bon bah ils m'ont tout volé, mais bon c'est pas forcément très grave. On perd en condition vraiment vite hein. Alors il fallait que j'avais une quête hein, pour au moment de la période de sport pour Clark. De toute façon vu que je viens de me faire un. Du duct tape. Carl. Alexander. J'ai plus d'armes par contre. Ouais, ben allez. Je voulais pas se battre Alexander apparemment. Donc ça c'est fait et maintenant au moment de la douche. Allez, on va se faire tabasser encore une fois. Allez, on est bien. Alexander.
parce que si je m'échappe, hein, il n'y a pas moyen. Ouais. Ah. Nickel. Toi, tu veux quoi? Paquet de cartes. Non, mais je sais pas. Faudrait que j'arrive à voir si je peux aller facilement. Ah, mais du coup, je suis bête! J'ai perdu ma tenue de garde comme un con. Ah bah c'est Karl. Je sais pas, non, Karl il m'aime bien, je crois. Hein. Qu'est-ce que tu me vends, toi? Une tenue de garde, un tournevis, du bois ou un marteau? C'est pas mal quand même tout ça, hein, que tout ce que tu me vends, toi. Une lime. Ah, une lame de fabrication, c'est intéressant ça aussi. Ça c'est intéressant. Papier mâché. Rouleau de papier colle. Ah c'est ça, donc il faut avoir de la colle. Et un rouleau de papier. Le rouleau de papier ça va. La colle je sais. Allez-y, moi je prends le. J'attends pour looter. Oui oui, on y va. Allez. Crème pour les mains. Oh, le magazine. Du coup, magazine pour Gary. Gary, j'ai ton magazine. Youhou. Youhou, Gary. Gary. Tiens. Sérieux, merci. Bah écoute, mec, je te rends pote. Ah, oh, du coup, il m'aime bien. Du coup, il me vend des trucs moins chers. C'est pas mal, ça, du coup, quand même. Du coup, je te prends un tournevis. Tournevis. Et j'ai toujours pas de colle. Samuel, je te déteste maintenant. T'es plus dans mon coup de toute façon. Ah, oh, mais Clark aussi, il utilise un oreiller comme arme. Mais c'est trop mignon. Je vais voir si du coup, est-ce qu'on peut facilement faire un trou dans un mur avec un tournevis. Non. Je vais prendre une fourchette. Avec une fourchette on peut ça. Fourchette. Ouais voilà, ça. Ok. J'en prends plein vu que ça se casse quand même assez rapidement. Il n'y a pas. Avec un couteau je crois que je peux pas. C'est plutôt des armes. Une cuillère ça doit être pour creuser comme les truelles. Je veux du ruban. Allez. Adhésif. Faut que je trouve une tégante de téviseur. Tabasse Karl. Ouais, mais Karl, je crois que c'est mon pote, il me semble. Hein. Non, c'est Gary aussi, c'est mon pote. Ah, vous êtes tous mes potes. Bon. En quoi, lui? Rien à te vendre moi. Je vais te donner de l'argent. Si je te mets une fourchette. Je te donne une fourchette. Alors. Distrait les gardes au prochain moment de l'appel matinal. Allez, c'est bon. Et ça non, ça va être compliqué. Allez. On va faire un petit peu de distance. Et puis, je sais pas où est-ce qu'on peut trouver du rouleau en papier. Je vais peut-être regarder sur internet après là, cet épisode. Oh là là, le combat! Le vieux est en train de gagner. Easy quoi. Un livre? J'ai pas une recette comme ça avec un livre? Mais encore du ruban adhésif, mais c'est facile à avoir ou pas? Il y a peut-être un métier où on a le ruban adhésif. Ah. Je ne sais pas, je vais voir. Je vais voir.
Tout de suite. Allez. Appel de fin de journée. Je sais pas, Karl. Ah, ça va être compliqué de tabasser, quoi. Gary, alors. Distrait les gardes au prochain moment du petit déjeuner. Mais vas-y, sans problème, mec. Sans problème, t'es trop mon pote, Gary. Trop mon pote. Ah, du coup, j'ai pas écouté ce qu'ils ont dit. Très bien. Et non, je passe sur la pelouse. Allez, extinction des feux. C'est le moment de sauvegarder et d'aller au petit matin. J'ai quand même pas mal de trucs illégaux là-dedans. Hein. Du coup. Du coup, ça m'aide pas ça. Hein. Donc je sais comment faire. Je sais comment faire le mur. Maintenant, je sais comment faire une magazine, enfin une affiche avec un magazine pour mettre devant. Après, bah moi la liberté. Il suffit juste que je trouve du. Il suffit juste que je trouve du duct tape, enfin du. Ou du ruban adhésif en fait. Sur ce, merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à partager, à donner des commentaires, ça fait toujours plaisir. Je suis très ouvert à tous les feedbacks, tous les genres de feedback. En tout cas, ça fait vraiment du bien. Je vous dis merci beaucoup, encore une fois, encore et toujours, et plein de bisous.